Hi guys! On vient tout juste de rentrer à Pittsburgh et j'ai un petit truc à vous avouer. Je n'ai pas fait de vidéo cette semaine. Mais du coup, je me rattrape, je vous emmène avec moi en balade en bateau. C'est parti! On est sur une île qui n'est pas une île. C'est bizarre mais c'est vrai. Et genre il y a des taxis, il y a des gens qui vendent des glaces et tout, je trouve ça ouf. Je vous manque l'île. En fait c'est juste que l'auteur de l'eau elle est pas profonde, du coup ils considèrent ça une île. Je kiffe, je valide de ouf. On a des vendeurs ambulants en bateau. Devinez qui a acheté un truc. So funny. Let's go. Les gars, non, ce n'est pas une pataugeoire. Non, ce n'est pas la piscine. C'est le golfe du Mexique. C'est super beau, regardez ça. Mais qui peut dire genre on marche dans le golfe du Mexique ou dans la baie du golfe du Mexique, je sais pas trop comment on se dit. Mais c'est super beau. Je valide de ouf. Vraiment. Ça c'est notre bateau. Il fait super beau, il fait super chaud. Enfin super chaud, il fait chaud. Mais par contre l'eau elle est glacée, genre je suis congelée. J'ai sauté 2-3 fois avec les enfants et je suis... Et voilà, on s'en va. Et voilà, on a Destin. Oh my god, j'ai loqué. On est arrivé sur une petite île. Franchement, c'est trop beau, c'est super genre nature. Genre là, il y a la ville et là, c'est genre la nature. Vraiment, c'est magnifique. Elle est en train de couver ses œufs. C'est trop mignon. Franchement, sur cette île, il y a une biodiversité juste incroyable. Des petits poissons, des coquillages vivants. Là, il y a une oie qui est en train de couver ses œufs. J'arrive pas à dire couver ses œufs. On est sur une autre petite île. Concrètement, ça ressemble vraiment à Pirates des Caraïbes, là où ils cherchent le rhum et tout ça. Enfin, vraiment, c'est ouf. C'est incroyable. Je pourrais habiter là, dans ces petites maisons. Vraiment, je pourrais. Je vous jure que... En fait, quand j'étais à la Nouvelle-Orléans, c'était trop ça que je kiffais. C'est genre ces petites maisons en bord de rivière, enfin en bord de mer. Rien autour, mais en même temps, t'es pas si loin de la ville. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être l'objectif de ma vie, qui sait? Vraiment, il y a personne qui se sent d'habiter dans cette maison là-bas. Ou celle-ci. En sachant que la ville, elle est derrière l'île en fait. Tu vas voir le coucher de soleil tous les jours. Le calme, la mer, les plages pour se baigner. Moi, je vais habiter là, c'est sûr. Peut-être pas en Floride, mais en Louisiane, de ouf. On vient tout juste de rentrer de la balade en bateau, enfin à la maison. C'est toujours magnifique. Sur cette journée incroyable où j'ai pu voir des dauphins, sur ce cocktail et sur ce coucher de soleil, je vous dis à la semaine prochaine.